en manque de lits hôteliers, Verbier pourra compter dès l'hiver prochain avec l'ouverture au pied des pistes du W, un 5 étoiles de la chaîne américaine Starwood. Ses dirigeants ont présenté hier à la presse l'avancée des travaux et surtout le concept de cet établissement design haut de gamme. Reportage Didier Binder. Le chantier des Trois Rocs, une fourmilière où s'activent plus de 150 ouvriers. Tout doit être terminé pour décembre et l'arrivée des premiers clients de l'hôtel W. À 9 mois de l'ouverture de l'établissement de cette chaîne américaine Starwood, la chambre témoin dévoile en partie le design du futur 5 étoiles. L'objectif, amener une nouvelle clientèle, notamment américaine, à Verbier. La cible de W, c'est 35-50 ans, des gens qui ont des postes assez importants, qui aiment bien vivre, qui sont cool, mais qui ont l'habitude du luxe. Donc, ils veulent vraiment avoir les services 5 étoiles, mais qui veulent être dans un endroit un peu novateur au niveau design, au niveau service. Depuis l'ouverture du premier hôtel W à New York en 1998, cette chaîne internationale de luxe a grandi. Elle compte aujourd'hui 60 établissements. À Verbier, l'hôtel regroupe 4 chalets donnant sur la future place Blanche. Mêlant frénésie new-yorkaise et style alpin, il s'agira du premier établissement à la montagne de la chaîne. Well, W is a luxury lifestyle brand. And so the destination that we looked for our first ski retreat had to be somewhere that attracts the right kind of customer base. So there's only a few ski resorts in the world that really are the right fit for a W, of which Verbier is one. I mean, we want to make a Swiss experience, but one which is contemporary and brings the W feeling and the New York energy to Switzerland and to Verbier. Avec l'ouverture du W, Verbier comblera son manque de lits hôteliers. Avec 123 chambres plus 15 résidences hôtelières, ce sera le plus grand établissement de la station. Mais pour mener à bien ce projet, la société des Trois Rocs a d'abord dû construire des résidences secondaires. Clairement, c'est pas possible de financer un 5 étoiles de cette importance quand on sait qu'un 5 étoiles, que ce soit à Verbier ou ailleurs, c'est de l'ordre de 600 000 francs la clé. Donc, faites le calcul. Le coût de construction d'un hôtel comme ça sans le terrain, c'est de l'ordre de 75 millions. Donc, il n'y a aucune banque, il n'y a aucun financier qui vous prête cet argent pour un hôtel à la montagne, clairement. Avec ce futur nouveau lieu branché, Verbier, une station appréciée pour son après-ski, souhaite plus que jamais attirer la jet-set mondiale.